Ouais, on peut envisager un déménagement. Bonjour internotatrice et internotateur. Ici Gelden pour les jeux du signe, on retrouve Canton et toute sa tribu. Ils viennent d'avoir avec Canton et Katox, viennent d'avoir Ardarine qui vient de naître. Voilà, je viens de recruter ce personnage-là. Et voilà, donc il va s'équiper. Tiens, je vais faire un petit check. Tiens, pourquoi est-ce que Sir Madness n'a pas d'armes? Ça n'est pas tout à fait normal. Ça n'est même pas du tout normal. J'ai viré quelques Onyx Tro, je me souviens plus, mais je crois que c'était pas quelqu'un que j'avais renommé. Tom, j'avais renommé, en fait, ça apparaît là comme je les ai renommés moi. Ça apparaît entre guillemets, Onyx Tro, c'était pas le cas. Là, c'est pareil, c'était Henriette, du coup, maintenant c'est Black. Pour que je puisse voir qui est renommé, qui n'est pas. Pareil, là, lui, j'ai pas son. Storch. Shadow, c'est le. Lui, par exemple, c'est pareil, il est renommé. Linat est renommé. Rossignol, c'est nommé. Voilà, et ensuite il y a les trois gamins. Donc j'ai plein de persos à renommer. Alors, au niveau des armes. Alors, Tom n'a pas d'armes non plus. Là, il y a une arme, il y a une arme, il y a une arme, il y a une arme partout. Rossignol n'a pas d'armes. Ok. Et Katox n'a pas d'armes, mais là, c'est normal. Donc, j'ai Rossignol, je crois qu'il est au cac aussi. Hein. On devait avoir un combat. Ouais. Mauvais cac, mais il est au cac quand même. Alors. J'ai une excellente épée, récolte racine sauvage de vie. Hop, j'irai t'équiper de ça ensuite. Tom, tu vas aller prendre une. Comment ça se fait? Acier. Bon, quand tu t'en seras équipé, ce sera sans doute mieux. Donc, Tom, tu vas aller prendre 7 lances. Non, 7 lances. Là, voilà. Et on a dit Damned, j'interdis le port d'armes. Non, mais Damned, il est au cac maintenant. Donc les risques sont quand même moins grands. Et une petite corne pour le père Rossignol. Voilà. Damned n'a pas d'armes. Et je te dis maintenant, tu vois, il est à 7,82 en mêlée déjà. 11 ans le pépère. Allez. Est-ce que la musique est pas trop forte? Moi je l'entends plus que d'habitude. Allez, je peux tout déplacer, c'est quand même drôlement pratique. Pouvoir faire des trucs un peu plus propres que ça n'en est actuellement. Hop. Toi, ça te convient? On va considérer que si toi ça te convient, ça conviendra aux autres. Hop, enlevez-moi ça. Là, je coupe plein de bois. Je vais essayer. Ça, je vais le virer, comme ça, je vais dégager un peu de place. Éventuellement, peut-être faire une. Des fois que. Des fois que ça se casse la gueule. Hop. Mettre ça là. Leur faire de la caillasse. Ouais, j'ai aussi mis un mode et configuré.
qui permet de sélectionner ce que tu veux afficher ici. Ça permet de n'avoir que les trucs vraiment importants, parce que finalement il y a plein de trucs, tu t'en fous un peu du suivi. C'est globalement plus lisible comme ça. Hop. Allez, on va accélérer un peu. Tac, tac, tac. Voilà. Catox, frénésie de travail. Eh ben. Pourquoi j'ai du vomi là? Je te jure. Visiteur. Ok. Spikey. Qu'est-ce qui va pas, Spikey? Je viens de voir un cadavre putréfié x5. Mais oui, mais quelle idée de passer par là-bas aussi. Quelle idée de passer par là-bas. Bon, d'accord, je t'avais demandé de couper du bois, mais quand même. La ménagerie est bien remplie quand même, hein. Quand on parle du loup. Salut Soren Dogma. Oui, c'est vrai que je pourrais me permettre le four crématoire, c'est pas faux. Tac. J'y pense pas. Alors. Moi, je ne te connais pas, Soren Dogma. Je ne sais pas qui tu es, d'où tu viens et dans quelle étagère. Production, production, un petit four crématoire. Je ne sais pas, je produis. Hop, 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 ardoise. Je ne sais pas pourquoi je me pose la question. Hop, un petit four crématoire en ardoise là. Tac. C'est gentil pour le petit outil en morale. Ouais, on a un psychopathe, c'était. On avait vu ça. C'était lequel, le psycho? Si je peux le voir là, puisque c'est Adam. Donc ce sera lui, mon chargé de. Mon chargé de cramage. Est-ce que c'est toi, Soren Dogma, qui a besoin de soutien moral, ou est-ce que c'est nous qui en avons besoin? Parce que ici le moral est plutôt bon, mais. Ah, du coup je peux péter ça. Hop. Enfin. Virer ça. Le moral élastique sous le là. Quel humour, jeune homme. Alors, ah oui, si je déplaçais mes chambres, c'est prêt. Putain, on voit quand même sur l'énergie, je suis limite. Hein. Ah, là, ça devrait aller mieux maintenant. Maintenant que j'ai ça. Enfin penser à construire ça. Est-ce que ça chauffe pas trop? 30 degrés, ça va. Et ici, 27, ça va. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, je vais virer cette porte-là. Je vais mettre mon frigo, mon distributeur de plats nutritifs, comme ça. Hop. Toi,
Je vais te mettre là. Et je vais du coup faire fermer comme ça permettra d'agrandir le frigo. Ce sera quand même plus mieux bien. Hop. Voilà. Ici, du coup, je vais pouvoir fermer définitivement. Tac, tac et tac. DB Games, c'est un bon constructeur, si je me souviens bien, tout à fait. Hop. Et ben, bah, Lithium. Salut Lithium. Bienvenue sur le live. Hop. Toi aussi. Comment vas-tu? Bonne année d'ailleurs, bonne année à toi ainsi qu'à Canton. Je t'ai même pas souhaité une bonne année, Canton. Quelle honte. Et toujours pas morte. Eh non. DB Games, on ferme le frigo. DB Games, tu es là. Non. On ferme le mur. Ah, c'est bon. Nickel. Hop, tac, tac, tac. Hop. Alors, et du coup, je vais me mettre une porte. 3 déjà, ouais. Ah, et c'est pas une rigolote, hein, Katox. Quand on lui demande de produire des chiards, elle y va. Hop. Tac. Tac. Ça du coup. Déplacer. Là. Ça. Là. Et ça. Là. Toi du coup tu vas passer en bleu. Tac, copier la couleur. Copier la couleur. Voilà. On met au sol du pavement en ardoise partout. Peste. Aïe. Ouh, putain. Ouh, putain. Je sens que ça va coûter cher en médoc, ça. Vache. Mon hôpital va être bien rempli. Boum, 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 boum. Putain, la vache. Comment c'est sévère. Qu'est-ce qui manque? Il va manquer un lit, c'est ça? J'ai un lit pour Shadow, il m'en faut encore un pour... Là-bas, ah oui, non, lui, il va pas à l'hosto. Bon, bah non, j'ai juste pile-poil le bon nombre de lits. Ça va me bouffer tous mes médocs quoi. Ça craint un peu ça. Salut Lycia, merci d'être passé. Bonne soirée à toi. Pouah, 130%. Ça trouver sur l'unité vas-y quoi. J'ose espérer que ce sera avant l'année prochaine donc. Alors tac, là on va déplacer plus près de toi mon Dieu.
Les trucs de mortier, près du mortier. Vêtements chauds requis, réservoir de nourriture. Déjà les réservoirs de nourriture. Question Minga. C'est quoi ce bordel? Le fait que je les ai déplacés, ça lui convient pas peut-être. Je vais aller voir si. Attends, d'ailleurs, il faut du coup, comme j'ai déplacé, il faut que je déplace la zone de pâte nutritive. Étendre pâte nutritive. Là. Retirer. Tac. Voilà. Quelqu'un qui a faim. Quelqu'un qui a faim. Ils sont tous nourris comme des. Ah, Tom. Attends, avant d'aller bouffer. Tac. Je vais te restreindre à la zone pâte nutritive. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas? Oh, tricheur. Petit tricheur de Tom. Pose-moi ça. Hop. Non, manifestement, ça lui plaît pas. Ça ne lui plaît pas. Bon, je pense qu'il. C'est quand même pas tout à fait prévu d'être déplacé. Je vais les péter et je vais reconstruire d'autres. Hop, hop. Ok. Tu construis pas mon ardoise. Qu'est-ce que tu m'embêtes? Hop. Bon, normalement, ça devrait le faire sans problème pour la peste. Stratégie de négociation pour Damned. Ah, le gamin, il n'est même pas adulte, c'est déjà un chatter comme pas possible, quoi. Les autres bons constructeurs, c'est qui? Tom, qu'est-ce que tu fous, Tom? Ouais, genre, t'es malade, quoi. Allez. On va me péter ça. Ouais, ça va pas vite. Hein. Putain, pourquoi est-ce qu'elle va si lentement? Ah, t'as pas de jambe droite. C'est gênant. Est-ce que j'ai des trucs pour toi? À part une jambe de bois. Non, je n'ai rien pour toi. Je pourrais peut-être te faire quelque chose. Ah, mais d'ailleurs, alors prothèse auditive, je m'en cogne. J'en suis où de mes recherches là. Armure de reconnaissance. J'aurais peut-être pu faire le bionique avant. Des fois que. Ouais, ça arrive. On va le soigner, on va le soigner. Hop. Alors, du coup, réservoir. Tac, tac, tac. Ah merde, j'aurais dû copier les paramètres. Avant de les casser. Dupliquer, tac, tac. Hop. Tac, 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 tac.
Copier les paramètres. Coller. Coller. Hop. Et agrandir la zone. Alors ça du coup je vais le déplacer légèrement. Si là c'est mieux. Ok. Bon là je peux lui mettre un peu n'importe quoi. Je mets ça en critique. Hop. Et hop. Donc plutôt que de t'amuser à faire une prothèse auditive, est-ce que tu t'amuserais pas plutôt? Ah mais si, c'est vrai que j'ai une quête pour laquelle je dois faire ah bah oui, la quête expérience, c'est ça. Ah ouais. Alors Luciferium, j'en ai besoin. C'est qui mon addict au Luciferium, c'est ça. C'est elle. Ouais, écoute, je vais prendre le Luciferium, comme ça, ce sera définitivement. La bionique, c'est sympa, mais. Allez, boum. Comme ça, j'aurai plus de problème de Luciferium. Combien est-ce que j'en ai des protéines de fait? Là, j'en ai encore 14 attendus. Donc, je lui ferai une jambe bionique à Tom quand j'aurai fini. En bois, j'ai tout ce qu'il me faut, tout va bien. Bon, allez. Ils en sont leur immunité, 50%. 77, pas mal. 50%. 40%, et c'est lent. Alors, Rossignol, il est qu'à 40%. Oh, ouais, c'est juste. Je suis dit, ça va, tous les voyants sont au vert. Ici, je pourrais changer les chambres. Réservoir de nourriture. Putain, il me gave. Pourquoi ça fonctionne pas le. Pourquoi ça fonctionne pas? Je comprends pas. Ça coûte combien ça? Oui, ça. Ceci dit, ici j'en ai pas forcément besoin. Tac. Je vais voir, je vais le décaler d'un et puis le mettre derrière. Bizarre. Ici c'est quoi? Garage en calcaire. Calcaire 178. Alors, Damned, c'est bon. Je voulais péter mes chambres ici. Tac. Tiens, est-ce que j'aurais pas oublié ici? J'ai oublié. Hop. Hop. Attends, je peux faire des overhauls. Ouais. Plutôt que de devoir péter ce qu'il y a dessous. Température. Ceux-là, ils sont mieux. Il n'y a pas besoin de tout casser. Allez, on partage la chaleur. Comme ça, je vais essayer d'avoir que. Normalement, je pense que 3 radiateurs pour 6 chambres, ça devrait être suffisant.
Spiky. Tac. Hop. Un peu de lumière éventuellement. Peut servir. Tac. Maintenant j'en ai mis. Ça je fais démolir plutôt. Je vais démolir, je vais démolir, je vais démolir. Et là, je peux mettre que trois chambres pour l'instant. C'est donc Memer Shobiti qui bénéficie à non, c'est pas une copie que je veux, c'est un déplacement. Hop. Alors, Éternel, où est-ce qu'il va aller? Ouais, je peux me faire une autre barre. J'ai l'impression qu'il lui faut un mur à droite et à gauche pour qu'il soit opérationnel. Non, non, je pense pas. Ouais, j'avais compris. Je vais essayer de voir en mettant les trucs derrière. Pas besoin. Annule-moi ça. Toi, je vais copier les paramètres. Coller là. Hop. Dissocier. Coller. Je sais pas si c'est les mêmes ou pas. Tac, tac. Toutes les images trouvées prises en sandwich entre deux cases de mur au niveau du dispensaire. Non, non, moi je suis quasiment sûr d'avoir déjà vu des. D'avoir déjà vu des. Non, tout à... auparavant il était. Auparavant il était. Il était comme ça. Enfin, en gros, il était comme ça. Et il y avait un mur au sud. Et c'est en fait ce que je vais tester là, c'est en mettant les réservoirs au cul, plutôt que de les mettre sur le côté. On va voir. Hop. Allez. On a besoin de soins au signal. Au signal, tu nous de ta 68, ça ira. Si tu montes un mur en bas des réservoirs. Et voilà. Ah. Mes réservoirs de sang, ça serait pas une bonne idée. Qui s'évade. Tu veux dire contre le stockage des machines, genre là. Tac, 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 structure. Ici, là.
J'attends ta réponse. Là. Bon, écoute, je vais tenter, hein. Ça coûte pas grand-chose avant de me déplacer. Mais j'y crois pas trop. Bien. Alors, il s'agit d'aller leur péter la gueule, mais pas trop fort. Donc, si possible, pas avec des vampires. On signale. Pourquoi il n'y a toujours pas d'armes, lui? Ah si, il a une arme. Et pourquoi est-ce qu'il l'a en inventaire et... Pourquoi est-ce qu'elle apparaît pas là? Truc que je suis pas. Ah, j'ai fait récupérer. Bon, ceci dit, il faut quand même que je m'en occupe de mes gaziers là. Faut que je les tue, mais pas trop, quoi. On va envoyer. Oh, il est pas en forme. Le père Adam. Ouais, je vais éviter d'y aller au fusil à pompe. Hop, ok, ça c'est fait. Ah, vache. Voilà. On va régler. Et j'ai pas de mort. Mission. Hop, préserver, capturer. Sept heures, 9 heures, c'est bon tout. Fuis le feu d'Amnette, bah oui, forcément. Bébé Game, ils ont des vêtements en lambeaux. Mais en changer. Là, je ne l'ai pas configuré. Incinérer un corps. En boucle. Pas trop loin. Et je vais le réserver. On a dit c'est à Adam. Cadavre d'humanoïdes. Et d'animaux à partir du moment où ils sont pourris. Hop. Elle. Immunité, c'est bon. Tac. Alors, réservoir. Bon, s'il n'est toujours pas construit là. Toi, t'es là, Tom. Construit, ok. Attends, c'est comme une prison de luxe, hein, que je leur fais. Jusqu'au mur, très bien. T'as des bugs bien, tiens, va me faire ça. Un tox alimentaire? Quoi ce bordel?
pas lui qui est psychopathe? Si? Pourquoi est-ce qu'il me met le... non, je vais y arriver. Bah. Les psychopathes... bizarre ça. Alors c'est peut-être un malus un peu moins grand. T'es noctambule, toi, pourquoi est-ce que t'es en plein jour? Linats. Linats, oui, d'accord. Bon. Du jade de scanner sous terre. Formidable. Hop. 300 jade. Ouhou. Non, il se peste. Ouh. Il va peut-être pas s'en sortir. Ou ça va être juste. Merde. Ah, il va crever de la peste. Pas cool. Toi, tu vas t'arrêter tout de suite. Histoire de ne pas péter un câble. C'est nul, ça. Dès que les gars ne seront plus, ce sera la fin. Ça, ça fait chier, putain. Voilà, sinon je vais arriver à rattraper In Extremis. Bah, je la sens mal. Je la sens mal. Ça va se jouer un poil de cul. Mais ça va être perdu. Il est urgent de le dessaper. Hop. Voilà, c'est bon. Eh bien, adieu. Ça me saoule. Ah, ah, quoique. Eh ben si. Oh putain. 0,3% près. Putain, tu le crois ça? Un petit screen de ça, le truc qui te fout la haine, quoi. 0,2% près. Le loud. Ça fout le seum à tout le monde en plus, à tous les coups. Moral, souffre-moi, non. Ça va venir. Prisonnier qui est mort, à mon avis. Ouais, c'est ça. Des bons équipements. Tac. Bien. Alors, en vrai, là, ceci dit, je vais voir si je n'alimente plus ça. Non, je vais enlever la pro automatique, je vais voir si mes batteries elles tiennent. Avec ce que j'ai. Bah oui, du coup, il manque un donneur de sang. C'est surtout ça qui m'emmerde en fait. Et que j'ai quand même pas mal de. Réserve de nourriture, ouais, ça faut... je te confirme que ça fonctionne toujours pas. Hein. Je vais essayer en déplaçant. Tiens, même Ned. Parce que c'est ton endroit préféré. Éternel n'a pas d'arme à distance, comment ça se fait?
Pourquoi est-ce qu'ils perdent leurs armes comme... Ah oui, parce que tout à l'heure il a été dans le mal. En expression. Tenez, bon ami, le signe éternel. Hop, faites ça ensuite. Prothèse, bien. Allez, on va reprendre ça. Ah ouais, du coup, j'ai pris du retard sur mes. Tom. Ah non, c'est là. Une jambe bionique. 15 de plastacier, 4. J'ai ce qu'il faut. 4 composants avancés, c'est bon. 15 de plastacier, c'est bon. Ah, et ben là tu vois ça fonctionne. Tu vois j'ai plus l'alerte comme quoi le... Donc c'est qu'il faut que ce soit au cul et pas... oui, non mais effectivement... Mais là mon urgence c'est quand même de terminer ma quête. J'en ai fait... Il m'en reste 5 à faire. Boyer. Tu me diras maintenant que j'ai les trucs bioniques, ceci dit. C'est pas absolument indispensable. Pourquoi n'appartient personne? Ça appartient. C'était pas Spikey qui était là? Il est où son lien à Spikey? Bah ouais, pour moi aussi, mais. Où est la chambre de Spikey? Qu'est-ce qu'il faut là? Mais... Et ils sont où, Ketox et Kenton? C'est quoi ce bordel? Ah tiens, il faudrait peut-être que je pense à faire dodo à mes vampires. Ouais, là, je pige pas trop. Ouais, c'est clair, ils viennent pas trop. Bah, il a vu une chambre plutôt sympa. Il a plutôt bon goût, mais... Hop. Spikey, tu vas là. Freinet mouvement pour Chobits. En vrai, je peux peut-être récolter. Ouais. J'ai peut-être plein de. Non, non, normalement, il doit pas. Hein. J'en suis où de mes dodos du dodo de la mort. Repos de la mort, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Ah, Damned, au pieu. Attends, ça normalement. Damned. Ouais, du coup, je sais pas à quoi il s'est relié, mais... Pas grave. Non. Avec automatique. Bien, du coup, éternel qui est là tout seul. Hop, je vais faire
Deuxième. Et c'est ça. Me refaire du coup. Je sais pas pourquoi j'avais dû me prévoir un truc, mais j'ai oublié entre-temps. Si je veux faire une série de chambres, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4, 5, 6 de largeur. 5 plus 5 plus 5 plus 5. Allez, 4 chambres ici. Si je me suis pas planté. 1, 2, 3, 4. Tac. 1, 2, 3, 4. Tac. 4. Voilà. Attends, en vrai, je vais peut-être plutôt décaler d'un vers le haut. Tac. Tant qu'il y a un plus grand passage, voilà. Hop, tu m'as fait des portes. Là, là, là. Et là. Et tu vas me faire derrière ça. Bloc de calcaire. Je suis HS. Bah des sols en ardoise. Non, pas pavement. Carrelage. Cri de colère d'Adam. Et ben alors, viens de voir un cadavre pour tes fruits. Bah écoute, moi je comprends pas. On me dit que les psychopathes, ça a peur de rien. DB Games, pourquoi tu restes avec des vêtements de merde là? Tu devrais pas. Qu'est-ce que t'as comme vêtements de merde? Parka en tissu. J'ai pas de parka en stock moi. Je devrais normalement. Fabriquer une. Pourquoi j'ai pas de. Ah si là. Fabriquer une parka. Si je devrais en avoir une. Où est-ce que je vais? Là, ici je vais la trouver. Appareil. Par cas, tu veux porter ça plutôt que de te traîner un débat. Un malus de merde. Bon, c'est. Tac. Voilà. Je sais que c'était une merveille, mais quand même quoi. Ça y est, il a fini sa crise dedans. Hop, très bien. Ouais, si tu t'ennuies, Canton, je veux bien que tu regardes pourquoi. Il me semblait que les psychopathes, ils craignaient pas de voir des cadavres, mais j'ai l'impression que si. Enfin, j'espère que tu t'ennuies pas, mais. Je suis surpris. Bon, ça a l'air de tenir tranquille l'énergie avec générateur géothermique. C'est quoi ça? Oh la vache! Oh putain!
Les cochons se font plaisir. Ça, c'est les restes du prisonnier qui n'a pas survécu. On remarque qu'il bouffe quand même un prisonnier qui est mort de la peste. C'est spécial. Pourquoi j'ai plus de courant là? Ah, parce que là, ça a coupé. Comment se fait-ce? Pourquoi est-ce que... Ah, si, je sais. Tom. Urgence. Voilà, c'est mieux quand même avec le avec la lumière. Donc éternel, tu vas ici. Tac. Merde, j'ai encore oublié les ventilations. Capsule de cargo. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Tiens, il me faut de l'électricité ici aussi. Donc c'est frais, ça passe. Ah, d'accord. Ok. C'est tant que c'est frais. C'est pas ouf, mais... Hop. On ira chercher quand même. Dévaiser mon mur. Tac. Spike qui a commencé une rixe avec lithium. Quelle idée. Oh putain. C'est chiant ça. Plus de cadavres, ouais, ça va le faire. Une idée de... Oh putain, mais stock de médoc quoi, comment ça a fondu? Bordel. Et ceux-là, ils vont pas repousser tout de suite. Là, je peux pas faire de racines de vie, je pense. Non. Si, ah si. Ah, je vais peut-être me faire une. Un stock de racines de vie. Hop. Le riz, je pense que je suis quand même large. Ici, j'ai pas prévu la lumière. Tes prothèses, Coco. Allez, plus de deux. L'avant a été dévoré par Gorette. Oups. Ah, on récupère du jade. Rossignol, illumination artistique. Formidable. Allez, c'est la dernière. Ouais, normalement c'est la dernière.
Ça, tu m'as toujours pas fait, non. T'as les centrales géothermiques, y a rien à faire. C'est vraiment le... Tranquille, quoi. Là, si je mets pas de toit, ça risque de déconner. Au-dessus de ça. Ces équipes de choc pour le pour la gestion du des trucs hydroponiques quoi. Fabriquer prototype, c'est fait. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller ici. Profiter pour faire un peu de commerce. Alors, mes commerçants, c'est lithium de mémoire. C'est elle ma bio. Ouais, sociabilité 15, c'est ça. Est-ce que j'ai besoin de beaucoup plus de monde au cas où il y a du fight quand même? Je vais envoyer. Voilà, copier de transport, quelle merde. Bon, je vais envoyer Madness. Hein. Tac. Histoire de cogner. Et. Tac. Je vais envoyer. Storch. Allez, ça fait trois bons soldats. On envoie les dromadaires avec. Ah non, les dromadaires, les yaks. Puis on va faire du commerce. Hop. Tac. Et même le Trumbo. Oh putain, valeur marchande 4000. Bordel. Ah, les drills, c'est pas des trucs qui se chevauchent. Alors du coup, on va dire qu'on va vite. Et que on va pas prendre des trucs qui permettent pas de chevaucher. Ouais, là, ça me fait aller super vite, quoi. Ouais, mais donc effectivement, ça rapporte pas de poids transportable supplémentaire. Les dromadaires. Les trumbos. C'est bon en combat. Du coup, j'ai peut-être pas besoin. Ouais, j'ai pas besoin de prendre plus de trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va leur échanger? Oh putain, j'ai besoin de composants. Nom d'un chien. Alors, le smoke leaf, c'est parti. Yayo, j'en veux du stock, j'en ai besoin. Acier, c'est bon. Jade, je garde. Bloc, je garde. Mes déchets, je pense qu'ils n'en voudront pas. Pas pourquoi. Ah merde, j'ai encore un sérum du repoblement. Je vais prendre mes sculptures que je vais revendre. 14 prothèses auditives. En stock, j'ai une prothèse de bras, très bien. Mes binous, on revend. Alors, qu'est-ce qui est médiocre? Hop. Est-ce que je suis avec un truc porté par un mort, moi? Est-ce que j'ai des trucs horribles? Non. Est-ce que j'ai des trucs normaux? Certainement beaucoup. Hop, allez, tout ce qui est normal, on revend. Et j'ai encore des trucs portés par des morts. Merde. Qu'est-ce que j'ai qui est bon? Est-ce que j'ai des trucs qui peuvent se revendre? Les trucs à 52%, on revend. Ouais, il faut que je les brûle.
Qu'est-ce que... Hop. Ok. Ensuite, est-ce que j'ai des trucs en tissu que je peux revendre? Ouais, les trucs de mort. Par cas, ça je vais le revendre. Ça doit être une merveille. Le debuff, c'est pourri. Et provision de voyage, bah, je vais prendre. Oh putain, le pack d'Imogen 10, ça baisse. Et la merde. Place simple 13. Je sens une envie de faire le trajet, je suis pas très inquiet. Prenez-moi des herbes médicinales. Allez. Envoyer. Pour restaurer les vêtements, ouais, je sais, mais hop, brûler les vêtements qui sont tainted, répéter en boucle, tout ce qui est biocodé, tu me le brûles, tout ce qui est contaminé. Hop. Tac. Hop. Et de même les armes biocodées. Hop. Tac. Alors, éternel, t'es mignon, mais je préférerais quand même que tu me fasses ça. Attends, les composants, ça vient après. C'est vrai que tu peux dormir aussi. Hop, le caravane est parti. Ça y est. Rossignola, enfin. Fais quelque chose avec Tom, quoi. À force de dormir ensemble maintenant, c'était plus facile. Et ben voilà. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Du sphérium, ça va aller, je pense. Sérum, jade. Sérum. Le diablotin. Ouais, je vais attendre le retour des autres, mais ça je vais accepter. Ouais, en fait, franchement, je trouve que ce principe de pouvoir réparer les. Les vêtements tainted, c'est presque un peu cheaté. Parce que franchement, ça permet de récupérer absolument tout. Tiens, pourquoi t'as pas de commode, toi? Plein de trucs que j'aime bien en mode, je trouve que ouais, c'est un peu presque un peu trop facile en fait. Si tu te mets à pouvoir récupérer n'importe quel vêtement. Tiens, ça je vais pouvoir te mettre là, même si j'en ai pas vraiment besoin. Hop. TV Games.
Et donc il me restera l'ilicium qui n'est pas relogé. Ça se trouve, c'est ceux qui sont partis. Ah non, c'est Damned. Et si c'est Damned. Moi, j'aimerais bien que tu commences pas par me faire ça, en fait. J'aimerais vraiment que tu me fasses ça, Coco. Ouh, chef-d'œuvre. Rossignol m'a fait une merveille. Allez, bravo. Ça, c'est juste bon. Oh. Tac, tac, tac. Hop. La truie a donné naissance. Ah bah enfin, ça fait le ménage. Bon, je vais arrêter l'épisode VOD dans l'immédiat. Hop. J'espère que l'épisode vous aura plu, messieurs, dames. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt pour la suite. Des bisous.